Bonjour à tous YouTube. Non, je rigole, j'en ai plus, ça fait très longtemps que j'avais pas fait un vlog. Alors c'est pas vraiment un vlog, ça sera plutôt un unboxing un peu particulier. Je pense que vous avez vu pour la plupart la photo sur Twitter qui est un peu bizarre. Sur une marque de lunettes un peu spéciale. Donc du coup on va regarder ça. Je les ai reçus précisément il y a 2 jours. Mais je n'ai pas ouvert la boîte. Ce sont des Chamions. J'en sais rien, je connais pas la marque en fait. J'ai découvert ça il y a par internet. Alors, pour la petite histoire, ces lunettes là vont peut-être révolutionner ma vie entre guillemets, parce qu'en fait c'est des lunettes que j'attendais depuis grave longtemps. Alors ça devait peut-être exister dans le monde, mais je ne les avais pas trouvées, au moins à un prix abordable, enfin un truc à vraiment abordable. Et du coup, ces lunettes là m'ont fait grave kiffer. Enfin c'est pas vraiment tant ces lunettes là, c'est la vidéo de Watch Dogs 2 où je vais vous mettre quelques images en même temps que je parle. Où là il y a un mec dans la team DeathSec, qui est une team de hackers dans Watch Dogs 2, qui a des lunettes un peu spécifiques et qui fait des emojis et tout. Et du coup je cherchais sur internet, impossible de trouver les mêmes lunettes. Et le délire, c'est que j'ai un jour, j'étais sur Facebook et il y a des pubs des fois qui passent, et une pub Amazon passe avec ces lunettes là. J'étais waouh, il m'en faut direct. J'ai craqué, je les ai achetées. Elles coûtent soit une soixantaine d'euros. Je crois que c'était 62 euros pour être précis. Et franchement, j'ai grand hâte de les ouvrir. Allez, on va découvrir ça ensemble. Un peu plus sombre, vous aurez une espèce d'application ici, donc c'est l'application qui s'appelle Chamion comme les lunettes. Et du coup j'ai connecté les lunettes, donc là vous voyez marqué 9A2.13. j'adore ces lunettes, on va découvrir ensemble l'application. Alors j'ai essayé de tourner un premier jet mais ça n'a pas marché, donc du coup on recommence. C'est sympa, je m'éclate comme un fou. Alors du coup je vais recommencer ce que je faisais. Alors déjà on va regarder au niveau des paramètres. Vous pouvez voir du coup l'état de la batterie. Vous pouvez gérer d'autres petites choses comme privacy. Ou privacy en fait c'est tout simplement les trucs de sécurité. Si vous changez le nom de votre paire de lunettes, vous pouvez appeler les lunettes swag de LOLBOY par exemple, vous pouvez le faire. Et mettre un mot de passe carrément pour le Bluetooth. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est au niveau de la batterie, donc vous pouvez voir si c'est full. Et les dernières choses sont Help et Privacy, donc c'est pour aller rejoindre les liens, etc., etc. Vous avez en haut à droite marqué un petit link, c'est tout simplement parce que les lunettes sont bien connectées. Pour vérifier si elles sont bien connectées. Main to main. On va commencer par le texte. Donc le texte, des pures barres. Regardez-moi ça. C'est cool. C'est trop cool, cette vidéo est trop cool, arrêtez les bails. LOLBOY est dans la place. Donc du coup c'est super cool et ça donne envie vraiment de faire des billes en boîte. Alors apparemment ces lunettes sont destinées à des DJ. Moi je m'en bats les couilles, je suis pas DJ. Je m'en bats les couilles, regardez-moi ce cool. C'est cool. Oh yeah motherfucker. J'avais enregistré juste... Ah non, on peut décider de la vitesse. Pardon les amis. Blink. On peut ralentir la vitesse ou on peut l'augmenter. C'est very cool. Oh, putain. Ça nique les yeux parce qu'en fait derrière, je sais pas si on va pouvoir voir, mais en fait derrière ça passe à une super vitesse. Et en fait ça fait des petites loupiotes pour que vous puissiez voir quand même. Ça nous nique les yeux d'une puissance phénoménale. Donc ça c'est la première chose. On peut éditer.
apparemment on peut faire plein de choses, on peut créer nos propres trucs. On verra ça un peu plus tard. Du coup je vais créer un truc, bah forcément LOLBOY, ça va de soi. Imaginez, j'arrive genre à la Paris Games Week avec des lunettes comme ça, ça serait une putain de dinguerie quoi. Mais qui es-tu? Qui es-tu, beau blond aux belles lunettes? Je suis LOLBOY. Peace. Non. Vous pouvez l'enregistrer. Par exemple ça, voilà, save to my folder. Voilà, new save. Alors il y en a plein de divers et variés de ce que je peux voir. Oh, on va trop vite. Il y a plein de choses diverses et variées. Regardez-moi ça, c'est tellement des barres. Ah merde, putain, je me trompe de touche. Et en fait, vous pouvez vraiment les sauvegarder dans tout et créer vos propres dialogues, quoi. Ça peut être vraiment sympa en soirée. Genre, tu veux sortir avec moi? Tu es une belle gosse. Et c'est énorme, c'est un truc à pécho des meufs, ça, en soirée, ça. C'est tellement énorme. Halloween, ça peut faire sans sas. Voilà, donc ça c'est pour le texte. On verra Creator un petit peu après, on va déjà s'intéresser à Equalizer. Alors c'est ça, c'est là où ça m'a fait planter le truc. Parce qu'en fait, voilà, ça me fait planter l'application à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée du pourquoi du comment, ça me fait planter l'application. Alors je pense qu'il est mal adapté pour le moment. Ça doit être un truc comme ça. Bon, c'est pas grave, Equalizer, on va essayer un autre, peut-être que celui-là... Ouais, non, il marche pas non plus. Voilà. Donc du coup, l'application est pas vraiment optimale, hein, vous en doutez. Vous en doutez un petit peu. Alors du coup il recherche mes lunettes. Voilà. Equalizer malheureusement ne fonctionne pas. Alors ça pourrait être pas mal pour un DJ hein, quand même d'avoir Equalizer pour le son. Tu sais, ça fait style. Oui, le son qui passe. Donc voilà, ça peut être drôle. Explorer. Ah, connexion Facebook. Je cacherai ma petite email hein, quand même. Pourquoi il me demande de me connecter à Facebook? C'est pas grave, continuons. Hop. Nous repassons sur l'application Explorer. Je sais pas s'il va me faire avec Facebook, mais ça pue un peu. Oh là là, excellent. En fait, c'est des trucs pour acheter des applications Pac-Man, ma gueule. Pac-Man, énorme. Enfin, c'est pas vraiment pour acheter. C'est plus pour télécharger de nouveaux trucs. Alors, c'est quoi ça? Oh, énorme. J'ai les yeux aussi gros que ma bite. Oh, yeah, motherfucker. En fait, il y a plein de trucs à télécharger. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est bizarre. Ah, énorme. Moi, je me prends trop pour être sec, mon gars. Putain, c'est vraiment des barres. PHX, je sais pas ce que ça veut dire. Original, classique, une petite note de musique iTunes. Ah, putain, ça, il me le faut. Oh, c'est tellement énorme. J'en veux plus. Oh putain, les emojis comme ça, je kiffe. Oh putain, là j'ai vraiment l'air d'être sec. Oh c'est énorme, je kiffe grave. Alors on voit même en plus ce téléchargement. Celui-là, je mets en favori et je le télécharge direct. Direct. Saving completing. Oh putain, les blagues. Celui-là, c'est quoi? Les yeux trop rapprochés. Ah, c'est tellement abusé, c'est tellement énorme. Oh putain, je reconnais pas ma gueule. C'est tellement énorme. Ah, celui-là, il est original. Il est original. Je suis un gangster. Ah, ça c'est plus pour moi. Dance, dance music. Aïe aïe. Oh, dance with me. Oh, excellent, c'est bon, pécho ça. Oh, happy birthday to you. Oh, énorme. En fait, il y a des putains de créateurs. Ah, ça, c'est un truc pour les épileptiques, ça. Énorme. Bon, ça, c'est original, c'est dans le même délire. Je sais pas ce qu'il a voulu faire, lui. C'est un écran noir, d'accord. C'est quoi, ça? Je sais pas ce que c'est. C'est trop original. Trop de swag. En fait, sur Facebook, il y a grave les trucs, en fait. Oh, yeah. Les toilettes, c'est pas... énorme, j'en peux plus. Oh! Oh, j'ai trouvé le mien. Le death! Death! Oh, c'est tellement énorme, putain. C'est... Mais il y en a trop, en fait. Je vais pas tous les faire parce que ce serait ouf. Ça serait putain de ouf, il y en a tellement. C'est tellement jouissif. En tout cas, j'ai trouvé... Oh, c'est quoi ça? Essayons.
Putain, c'est tellement énorme. Ça, c'est moi quand je me pose des questions sur vous. Mais c'est tellement énorme, putain, je kiffe grave. Allez, putain, vous voyez, le LOLboy n'a pas besoin d'être fou. Ah, ça, c'est... Ça, c'est moi en fin de soirée. Je suis totalement AFK. C'est énorme. Enfin bon, donc du coup vous avez compris le principe, hein. Il y en aura plein, il y en a énormément en fait, hein. Et c'est plutôt ouf, touch the icon for use DJ play featuring. Ok, ça c'est pour modifier le truc. Alors, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est de revenir dans Creator. Alors, Creator, je pense que vous avez compris le principe, c'est pour créer vos propres trucs. Donc moi il y avait un truc qui me kiffait bien, c'était ça. Oh, j'en peux plus, putain. Et on peut changer les couleurs, apparemment. T'es nul. Enfin, c'est super original. Ah, d'accord, je... Ok, d'accord. Donc, on peut faire énormément de trucs, en fait. C'est énorme. En gros, on peut créer ses propres emojis. Donc ça, c'est plutôt original. Je vais créer mon propre emoji, forcément. Hein. Vous doutez bien qu'avec des lunettes comme ça, je vais créer mon propre emoji. Bah, c'est énorme, quand même. C'est sacrément énorme. Non, on va remettre Pac-Man. Du coup, cette vidéo touche à sa fin. C'est assez original. On s'est bien amusé. Je me suis bien tapé des putains de bonnes barres. C'est ouf. J'ai qu'une chose à dire, c'est ouf. Ces lunettes-là, bon, c'est un gadget. Hein. C'est se faire plaisir pour pas grand-chose. Franchement, je me suis tapé des putains de bonnes barres. Je pense que je vais les mettre souvent en stream. Ça va être ma motivation première du truc. J'ai grave déliré. Je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr. Dans la description, bien sûr, pour acquérir ce genre de petite gadget. Il y a encore 2-3 trucs qu'il faut que je regarde et tout, mais je pense que je vais déjà... La vidéo va sortir, je pense, soit aujourd'hui, donc on est mercredi, soit jeudi, peu importe. Mais elle va sortir. Et je vais les mettre pour le stream giveaway qui aura le soir même, c'est sûr. Donc forcément, les gens vont me poser des questions, vont me dire c'est quoi ces lunettes, elles sont folles et tout. Il faut que j'apprenne vraiment à utiliser, à référencer. En fait, c'est plus ça, les différents emojis que je pourrais créer ou que je pourrais acquérir sur YouTube. Mais c'est énorme, regardez-moi ça. Un Pac-Man, quoi. Est-ce que vous avez... Oh, mais c'est énorme. Il y en a tellement des trucs. Alors par contre, j'arrive pas à retrouver les miens. Bon, c'est un peu chiant, mais bon. Mais il y en a tellement. Je sais même pas comment expliquer. Regarde-moi celui-là. Putain, moi je suis vraiment un gamin. Je suis vraiment un gros gamin, mais... Mais ça fait tellement zizir de... Oh, mais celui-là, il est énorme. Mais celui-là, il est énorme. Mais je suis tellement content avec... Avec pas grand chose. Oh non! Pour les fans de Pokémon. Mais c'est tellement énorme! Oh putain! Mais c'est tellement énorme! Oh mais celui-là il me le faut. Je télécharge. Il est où? Je mets un like et je télécharge. Save to the glass. Après, faut que je trouve où tout ça s'enregistre, parce que je ne sais pas. Voilà, donc c'est assez original. Bon, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, je vais la mettre en catégorie vlog, hein, comme vous êtes douté, mais ça reste quand même un unboxing de base. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Tchou.